Le président local de la jeunesse de Djima est au micro de notre correspondant. Jeunesse de Djima. Bon, l'objectif de cette manifestation, c'est la coupure intempestive de l'électricité à Djima. Nous sommes depuis les 10 derniers jours du mois de carême, on est confronté à des difficultés de délestage, on reçoit chaque jour des attaques à domicile, déjà des bandits armés à domicile. Donc on a crié notre ras-le-bol pour protester contre l'EDEM. Non seulement l'EDEM, on est confronté aussi à un problème d'eau. Depuis que la SOMAGEP a repris l'adduction d'eau de l'association de Djima, c'est tout un calvaire ici. On a vécu tout un calvaire ici. Donc on sollicite que tout rentre dans l'ordre. Donc c'est pour cela qu'on a bloqué depuis 7h jusqu'à 11h. Toute route mène à Djima. Les autorités ont pour leur part promis de transmettre une doléance des manifestants à qui de droit et ont informé ces derniers qu'une mission a été dépêchée de Bamako ce matin pour la dépendance des groupes électrogènes, mais la solution au problème de l'eau potable reste inconnue. Suivons M. Salaha Abdiallo, c'est le service de l'EDEM de Djima. Avant qu'on ait des propos, considérez aussi que vous êtes venu là, vous êtes venu là. Parce que nous sommes ici, nous sommes ici. Ni perturbation qu'il y a, nous sommes tous concernés. A savoir que, on n'a aucune raison, c'est-à-dire d'être ici à Djima, si ce n'est pas d'assurer la continuité du service de l'électricité. Si on est confronté à des problèmes aujourd'hui, donc maintenant, au cas donc à fond, ko président sade en sigifum na ko fuite on abi djemaya ça dit si ce n'est pas que ka faire belatge ka courant di mouma ou sagona wati la trop trop suya bela dans toutes les conditions mais na wi aye atika se ka ken ni de gumba ko il faut aussi comprendre aussi que ça se comprend de gumba ko be famo au ka eta ou eta mina bibina amba famo et vraiment amba famo ambe hakito ni ke au fin halisisa akola. Mais au bas, il faut que vous compreniez aussi que vous comprenez aussi que de gens flabent. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à assurer, c'est-à-dire à satisfaire la population. En l'unité. Comprenez aussi que, c'est-à-dire, conditions de BFM Bella, Sharia Bella, FM. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition spéciale dédiée au problème de l'eau et l'électricité à Djima. Merci d'avoir choisi votre chaîne préférée.